Bonjour à tous. Hello everyone. Ce matin, je voudrais partager avec vous un message sur la prière. This morning, I would like to share a message with you about prayer. Encore. Again. Cette année, Dieu m'a demandé de méditer profondément sur la prière. This year, God has asked me to profoundly think about prayer. À travers des textes bibliques qui en parlent. Through texts in the Bible that talk about prayer. Et même à travers certains qui n'en parlent même pas. And even through texts that don't talk about prayer. Pourquoi? Why? Voici la réponse que j'ai reçue. This is the answer that I received. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, verse 21 to 23 is the answer that Claude received. And it says, « Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Je ne vous ai jamais connu. I never knew you. Quelle phrase terrible. What a terrible sentence. Mais on peut connaître beaucoup de choses sur Jésus. We can know a lot of things about Jesus. On peut même faire des choses pour lui. We can even do things for him. Tout en demeurant un étranger pour lui. All the while being a stranger. Le connaître, c'est avoir une relation vivante avec lui. To know him is to have a living relationship with him. Et cette relation passe par la prière. And this relationship happens through prayer. La prière, c'est notre dialogue d'intimité avec Dieu. Prayer is our intimate dialogue with God. Et je vous propose de partager l'histoire d'Anne dans le premier chapitre du livre de Samuel. And I would like to share with you the story of Hannah in the first book of Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. There was a certain man from Ramathaim, a Zaphite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuth, an Ephraimite. He had two wives. One was called Hannah and the other Penina. Penina had children, but Hannah had none. Cette année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Penina and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her. And the Lord had closed her womb. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and wouldn't eat. Her husband, Elkanah, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons?
Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Once, when they had finished eating and drinking at Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » She kept on praying to the Lord. Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, How long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here, out of my great anguish and grief. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Eli answered, « Go in peace, and may the Lord of Israel grant you what you have asked of him. » She said, « May your servant find favor in your eyes. » Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So, in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, "Because I asked the Lord for him." C'est une belle histoire. It's a beautiful story. Mais elle pourrait simplement nous rappeler que Dieu est bon et qu'il entend nos prières. But it could simply remind us that God is good and that he hears our prayers. Cela pourrait rester pour nous l'histoire d'Anne. This could stay for us, Hannah's story. Une histoire qui ne nous concerne pas vraiment. A story that doesn't really concern us. Pourtant, si cette histoire figure dans le récit biblique, c'est aussi pour nous enseigner. However, if this story is in the Bible, it's also to teach us. Et pour nous parler de nous-mêmes. And to talk to us about ourselves. Et nous pouvons lire cette histoire un peu comme une parabole avec quatre personnages. And we can read this story almost like a parable with four characters. Anne, Hannah, Penina, Elkanah, et Élie. And Eli. Anne est malheureuse. Hannah is unhappy. Dieu a dit, soyez féconds. God said, be fruitful and multiply. Et elle est stérile. But she's barren. Son désir n'est pas un caprice. Her desire isn't a tantrum. Elle a conscience que ce qu'elle vit n'est pas conforme aux promesses de Dieu. She's aware that what she's experiencing isn't in alignment with God's promises. Et elle veut vivre les promesses de Dieu. And she wants to experience God's promises. Penina, l'autre épouse, Penina, the other wife, passe son temps à harceler Anne. Spends her time harassing Hannah. Dans le but de la rendre amère contre son sort, in order to cause her
bitterness regarding her fate. Et finalement, en colère contre Dieu. And finally, angry towards God. Peninnah montre la manière dont l'ennemi peut se servir des autres. Peninnah shows us the way that the enemy uses other people. Pour nous éloigner de Dieu. To separate us from God. Nous pouvons alors être tentés de nous opposer. We can be tempted to oppose ourselves. De répondre. To answer. De rendre le mal pour le mal. And to render pain for pain. De lutter contre la chair et le sang. And to fight against flesh and blood. Ce n'est pas ce que fait Anne. This isn't what Hannah does. Elle ne répond pas. She doesn't respond. Elle ne se venge pas. She doesn't take vengeance. C'est devant Dieu qu'elle va apporter sa souffrance. She goes to God and brings her suffering to him. Son mari l'aime. Her husband loves her. Il prend soin d'elle. He takes care of her. Il fait tout son possible pour la consoler. And he does whatever he can to console her. Elkanah représente un certain aspect de l'Église. Elkanah represents a certain part of the church. Un lieu sympathique où l'on s'aide à supporter ce qui n'est pas tout à fait comme au ciel. A friendly space where we help each other to bear what isn't as it is in heaven. C'est gentil, mais ce n'est pas juste. It's friendly, but it isn't fair. Et lorsqu'Elkanah lui dit, and when Elkanah says to her, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Do I not mean more to you than 10 sons? Elle ne répond pas. She doesn't answer. Mais bien sûr, la réponse est non. But of course, her answer is no. La communion fraternelle n'est pas le but de l'Église. Fellowship isn't the goal of a church. Elle ne peut pas servir à nous anesthésier dans notre désir de plus de Dieu. And it can't make us numb in our desire to live for God. Ou remplacer la communion avec lui. And it cannot replace fellowship with God. Il est important que nous en ayons conscience. And it's important that we are aware of this. Et que nous soyons vigilants. And that we look out for this. Anne n'accepte pas d'être consolée par cette affection. Hannah doesn't accept to be consoled by Elkanah's affection. Elle ne cherche même pas pourquoi elle est stérile. She doesn't even ask why she's barren. Elle cherche Dieu. She looks for God. Elle veut que sa vie porte du fruit pour Dieu. She wants her life to bear fruit for God. Et elle fait de son manque une fenêtre sur le ciel. And she uses this thing that is lacking in her life to make a window towards heaven. Sa prière est le cri de son cœur meurtri. Her prayer is a cry from her bruised heart. Parce que sa vie ne reflète pas les promesses de Dieu. Because her life isn't reflecting God's promises. Sa prière n'est pas lisse. Her prayer isn't smooth. Elle y mélange ses larmes. She mixes tears. Ses rêves. And dreams. Son amour pour Dieu. Her love for God. Sa souffrance. Suffering. La vraie prière est comme cela. And true prayer is like this. Brut. Raw. Intense. Intense. Sans réserve. Without holding back. Sans fard. Without covering up. Et elle est tellement abandonnée qu'Eli la croit ivre. And she's so abandoned to God that Eli thinks she's drunk. Anne représente la foi. Hannah represents faith. Mais Eli représente la religion. But Eli represents religion. La Bible nous dit qu'Eli était obèse. The Bible says that Eli was obese. Et qu'il était presque aveugle. And that he was almost blind. Il ne sait pas discerner la foi de l'ivresse. He didn't know how to discern faith from drunkenness. Ses références sont dans la chair. His references are in flesh. Au lieu d'être dans l'esprit. Instead of being in the spirit. Et il juge cette femme qui connaît Dieu. And he judges this woman who knows God. Et que Dieu connaît. And that God knows. Parce qu'elle répand son cœur devant lui. Because she is pouring out her heart in front of God. Elle veut que sa vie le glorifie. And she wants her life to glorify him. Mais Anne ne se laisse pas décourager par les circonstances. But Hannah isn't discouraged by the circumstances. Elle ne se laisse pas arrêter par l'offense. She doesn't let herself be stopped by Eli's offense. Pourtant, elle aurait été en droit d'être offensée par ce prêtre. But she would have had the right to feel offended. Il ne sait même pas discerner quelqu'un qui prie de tout son cœur. He can't even distinguish someone who is praying with the whole heart. Elle aurait pu partir. She could have left. Et ne jamais revenir. And never come back. Mais dans son chemin vers le cœur de Dieu,
But on her journey towards God's heart, Anne ne se laisse arrêter ni par la méchanceté de Penina. Hannah doesn't let herself be stopped by Penina's meanness, ni par la tendresse d'Elkanah, nor by Elkanah's tenderness, ni par l'aveuglement d'Eli, nor by Eli's blindness. Anne veut que sa vie honore Dieu. Hannah wants her life to honor God. Elle veut un fils avant tout. She wants a son more than anything. Mais elle veut surtout un serviteur pour Dieu. But she really wants a servant for God. Sa demande n'est pas une revanche vis-à-vis de Penina. Her request isn't a type of revenge against Penina. Elle ne veut pas prouver qu'elle aussi peut avoir des enfants. She doesn't want to prove that she can also have children. Sa demande est liée aux promesses de Dieu. Her request is linked to God's promises. Au cœur de Dieu. To God's heart. Et Dieu voulait Samuel. And God wanted Samuel. Le désir d'Anne a rejoint le désir de Dieu. Hannah's request joined God's desire. Nos rêves, nos aspirations ne sont pas nécessairement mauvais et charnels. Our dreams and our aspirations aren't necessarily bad or carnal. Si nous les visitons dans l'esprit, if we look at them through our spirit, ils peuvent devenir des chemins pour manifester la gloire de Dieu. They can become roads to manifest God's glory. Anne nous enseigne une leçon fondamentale. Hannah teaches us a fundamental lesson. Dieu ne nous conduit pas dans le désert pour que nous prenions l'habitude de ne pas boire. God doesn't lead us to the desert so that we get used to not drinking water. Dieu nous conduit dans le désert pour nous donner soif d'aller vers la source d'eau vive, vers lui. God leads us to the desert so that we will go to the source of life and living water towards him. Anne ne veut pas un fils pour elle, elle veut un fils pour Dieu. Hannah doesn't want a son for herself. She wants a son for God. La preuve. Here is the proof. Elle s'engage à le lui offrir. She promises to give Samuel to God. Imaginez ce que sa promesse représente. Just imagine what this promise represents. Cet enfant qu'elle a tant souhaité, this child that she so wanted, elle va l'amener au temple. She's going to bring him to the temple et le confier à Eli, and give him to Eli à partir du moment où il va être sevré. From the moment that he is weaned. Au maximum 3 ou 4 ans. That means maximum 3 or 4 years old. Et lorsqu'elle laisse Samuel au temple, and when she leaves Samuel at the temple, elle offre à Dieu l'un des plus beaux chants de louange de la Bible. She offers God one of the most beautiful songs of praise. Anne pria et dit. So in 1 Samuel 2, Hannah prayed and said, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. So she says, my heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Pouvoir prononcer de tels mots en offrant à Dieu ce qu'on a de plus cher. Saying such words like these when giving our most valuable thing to God. Quand je lis l'histoire d'Anne, when I read the story of Hannah, j'entends Jésus parler des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. I hear Jesus talking about violent people who take over the kingdom of God. Anne est violente. Hannah is violent. Elle veut voir le royaume de Dieu avancer. She wants to see God's kingdom move forward. Et Dieu répond à sa prière. And God answers her prayer. Ce fils qu'elle a demandé va être le plus grand juge d'Israël. The son who she asks for will be the greatest judge of Israel. 1 Samuel 7, 13 nous dit, 1 Samuel 7, 13 says, la main de l'Éternel fut contre les Philistins durant toute la vie de Samuel. So the Philistines were subdued and they stopped invading Israel's territory. Throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord was against the Philistines. C'est-à-dire que le pays a été protégé. This means that the country was protected. Dieu a aussi recommencé à parler à Israël. God also started again to speak to Israel. Par la bouche de Samuel. Through Samuel. Parce que Samuel savait l'écouter. Because Samuel knew how to listen to God. Anne était une femme ordinaire. Hannah was an ordinary woman.
très ordinaire. Very ordinary. Mais parce qu'elle connaissait le cœur de Dieu. But because she knew God's heart. Elle a eu un impact sur toute une nation. She had an impact on a whole nation. Elle a permis à Israël d'être victorieux sur ses ennemis et en paix. She enabled Israel to be a victorious country and to live in peace. Et d'entendre à nouveau la voix de Dieu. And to hear God's voice again. Alors ne dis pas que ta vie est insignifiante. So don't say that your life is insignificant. Ne pense pas que si tu n'es pas Billy Graham, tu ne sers à rien. Don't think that if you're not Billy Graham, you won't be useful. Ne te satisfais jamais de ne pas vivre les promesses de Dieu. Don't ever be satisfied with not experiencing God's promises. Et n'écoute pas ceux qui te disent que c'est normal. And don't listen to those who say that it's normal. Mais quand tu pries, but when you pray, quand tu déverses ton cœur devant Dieu, when you pour out your heart before God, ne porte plus les yeux vers ce qui te manque et vers ta souffrance. Don't fix your eyes on what's missing or your suffering. Ce sont tes manques et ta souffrance qui t'ont conduit devant Dieu. It is these things that are missing and your suffering that brought you to God. Mais quand tu es devant Dieu, but when you are in front of God, lève les yeux vers le ciel. Lift your eyes to heaven. Et ne cherche plus que la gloire de Dieu. And only look for God's glory. Le fils qui te manque. The son that is missing. Le fruit que tu désires. The fruit that you desire. Ne le désire plus pour toi. Don't desire it just for yourself. Mais pour l'offrir à Dieu sans réserve. But desire those things to give it to God without holding back. L'histoire d'Anne nous révèle aussi le cœur de Dieu. Hannah's story also reveals God's heart. Non seulement il répond à sa prière. Not only does he answer Hannah's prayer. Il lui donne ce fils qui lui sera consacré. He gives her this son that will be offered to him. Mais il lui donne encore trois fils et deux filles. He also gives her three sons and two daughters. Elle ne les avait pas demandées. She didn't ask for them. Elle n'avait même pas osé l'imaginer. She didn't even dare imagine it. C'est le débordement du cœur du Père. It's the overflow of God's heart. L'histoire d'Anne me bouleverse et me défie. Hannah's story amazes me and challenges me. Je crois qu'à travers elle, Dieu veut nous enseigner. I think that through her, God wants to teach us. À faire de nos manques non pas des sujets d'affliction ou d'amertume. Do not make out of the things that are missing afflictions or bitterness. Mais des fenêtres vers le ciel. But windows towards heaven. C'est un chemin difficile. It is a difficult road. Et nous voyons Anne verser des larmes. And we see Hannah shedding tears. Mais c'est un chemin de victoire et de grâce. But it is a road of victory and of grace. C'est un chemin de bénédiction. It is a road of blessings. Qui nous dépasse. That surpasses us. Et qui rejaillit sur toute une nation. And that overflows onto a whole nation. Anne nous invite à entrer dans une forme de prière. Hannah invites us to enter into a form of prayer. Où ce sont notre cœur et nos entrailles. Where it is our hearts and our guts. Qui se déverse sans aucun fard devant Dieu. That are being poured out in front of God without holding back. C'est cela le connaître. That's what it means to know God. Et c'est cela la prière qui touche son cœur. And that is the prayer that touches God's heart. Et je voudrais terminer en priant pour chacun de vous. And I would like to end by praying for each of you. Je vous bénis au nom de Jésus. I bless you in the name of Jesus. Pour vos combats. May your battles, que vos souffrances, your suffering, que vos difficultés d'aujourd'hui, your difficulties of today, ne vous conduisent pas dans l'amertume, not lead you to bitterness, dans la colère, the anger, dans la désillusion, disillusionment, ou dans le rejet de Dieu, or rejection of God, et qu'ils vous mènent devant le trône de la grâce, but may they bring you to the throne of grace, pour rencontrer le cœur du Père, to meet the Father's heart, et pour porter un fruit abondant. And to abundantly bear fruit. Qui impacte pour sa gloire les lieux où vous vivez. That impact the places where you live. Que vos deuils se changent en allégresse. May your mourning change into joy. Que vos déserts refleurissent. May your deserts bloom again. Et que vos vies portent le parfum de son royaume. May your lives carry the scent of the kingdom. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen.